me, aneri korome, akori tonyabe, nerame kongara kuluko kongkangara yake, kosabune. Donc, une bibliothèque numérique, on n'a pas besoin de venir emprunter un livre et de vouloir le rendre pour obtenir son cutus. Vous ouvrez votre compte, vous mettez votre mot de passe et vous avez tous les livres dont vous avez besoin. Que ce soit en mathématiques, en physique, en chimie, en culture, en agriculture. Dans tous les domaines, vous avez des milliers et des milliers de livres, ce qu'on appelle la bibliothèque numérique. Et dès que vous aurez votre bac, Inch'Allah, vous êtes en classe de terminale, en classe de première ou en classe de seconde ou en classe de troisième, je vous souhaite de venir à l'université. Et en fonction des formations que vous allez demander, vous aurez toute la documentation ici. Et on est en train de vous construire une nouvelle bibliothèque qui aura plus de capacité d'accueil et plus de livres en fonction vraiment de la montée en puissance de l'université. La Guinée jalide nounoumbe, Kolo ko jalide nounouye, Sénégali gaoulo de nounoumbe, Kolo ko jalide nounouye, Ie Mali jalide nounoumbe, Mbembale kakeleke, Mbembali saka kourouni, Mbembale kasoke kourouti. Ça se passe bien. Ah, il fait chaud, hein. Alors, on était en train d'expliquer à une école de Bambay comment promouvoir l'informatique pour les matières scientifiques pour les jeunes filles. Donc, nous sommes accompagnés des étudiants de master. On félicite au passage qui ont été sélectionnés après la licence pour faire le master 1 et le master 2 en informatique. Donc, nous accueillons ici les jeunes filles pour les inciter à embrasser ces filières scientifiques. Voilà. Bembari jonke kuruta yadi jeli de nunuma fuketo go songo ha bemba. Bienvenue à l'Ecofish. C'est le fait qui est accueilli tous les étudiants en gouvernance des séries scientifiques, gestionnaire et littéraire. Maintenant, on a trois sortes de frères. Pour les étudiants qui viennent, ça concerne les étudiants qui ont eu le bac L. Maintenant, si les élèves ont eu un bac L, ils sont orientés en ingénierie pour poursuivre des études, soit en tant qu'avocat, être avocat, magistrat, ou notaire, etc. Ça vous dépendra de leur ambition. En économie, en management, il y a la finance et l'économie appliquée. La finance, nous faisons tous la finance pour les étudiants. En général, c'est les séries S et les séries G qui sont seulement orientées en économie management. Mais pour la finance, nous sommes des finances. En finance, il y a l'audit et la finance automatique. Les auditeurs sont des groupes de stakeholders qui sont vraiment importants pour un pays, les économistes qui travaillent pour le développement d'un pays. Donc c'est un UFR très important, très intéressant, qui mène un pays au développement. Donc nous invitons vraiment à tous les étudiants qui sont en S2G, soit à tous les séries confondues, à venir nous rejoindre en économie. Dans 7 ans, je serai étudiante à l'université de Bambay. Tu viendras me voir là où je suis. Tu diras, voilà, c'est vous qui m'aviez donné ça, je suis à l'université de Bambay. Oui, non, ils sont bien mobilisés. On est content, on les voit mobilisés et ça c'est exemplaire. Djougou Moroya, Djougou Nani Moroya, Agamayi. L'information, oui. La composition même de l'université, c'est un peu plus spotifère, je ne peux pas le suivre.
représentant aussi ce qu'on a comme effort. Donc, sur le plan de football, avec l'équipe championne, l'Inter-Universitaire. Nos médailles. Médailles d'or, oui. Championnat national, 2013. On représente le président de Massou avec notre vice-champion d'Afrique. Nous permet d'être en contact avec les intéressés pour les expliquer en amont les services qu'ils font à l'université, qu'ils vont trouver au niveau du social. Nous évoluons exclusivement sur le côté social. Et en termes de prestations sociales, nous offrons aux étudiants l'hébergement, la restauration, le médico-social et l'animation culturelle et sportive. L'excellence est le critère le plus utilisé pour donner aux étudiants et aux élèves, aux nouveaux bacheliers, des logements. On classe par ordre de mérite. Il y a un critère social, mais qui est plus ou moins. Voilà, c'est ça. Le critère d'excellence est très bien. Utilisé. Voilà. Donc, une fois au campus aussi, nous aidons les étudiants du point pour animer le campus social, du point de vue du sport, du point de vue de la culture. Très nous bien. Faisons quelques activités aussi au profit des étudiants. Merci. Quel critère? Excellence. Ça veut dire dès maintenant, ce qui va payer pour vous faciliter votre vie à l'université, c'est d'étudier, de faire partie des meilleurs. Si vous le faites, vous n'avez pas de problème à l'université. Vous allez commencer à vous affranchir de vos parents. Vous allez commencer à vous libérer. Et vous allez préparer aussi votre vie future. Vous sortirez avec un diplôme. Vous allez travailler, vous ne dépendrez de personne. Vous allez prendre en charge même vos frères, vos soeurs, vos parents. Mais surtout, vous n'allez plus demander quoi que ce soit. Et vous voyez que même pour avoir une chambre, aller à l'aise au restaurant, il faut avoir de bons résultats. Donc dès maintenant, vous vous calez pour dire je ferai partie des meilleurs. Comme ça, une fois que j'entre à l'université, j'aurai toutes les choses. Il n'y a pas de secret, c'est le travail intellectuel. Le centre de ressources, c'est la formation continue de l'Université Alun Diouf de Bambey. Nous proposons des formations professionnelles à partir du niveau de la licence 3 et jusqu'au master 2. Bon, pour les formations, ça diffère. Il y a des années où nous commençons à partir de la première année et il y a des années où nous commençons à partir de la troisième année. Donc, en première année, nous proposons des formations en droit et en création multimédia. Bon, nous avons actuellement, présentement, des formations en licence 3, mais nous proposons des formations en management des établissements sanitaires et sociaux et administration, management des organisations. Donc, c'est deux formations que nous avons en licence 3. Et nous avons en licence 3 aussi une création multimédia. Donc, par rapport au niveau du Master 1, le Master 1, nous avons le Master 1 en développement durable et management environnemental. Nous avons aussi le Master 1 en management des organisations. Et nous avons aussi le Master 1 en gestion, contrôle et sanitaire de santé. Donc, nous avons ces mêmes formations aussi au Master 2. Vous voyez un peu? Donc, c'est la formation payante de l'Université Alun Diouf de Bambey. Et qui se trouve à Dakar. Qui se trouve à Mermoz, à Dakar. Et c'est une formation payante, donc il faut bien être clair. Dans quelle classe? Sixième. MED. C'est où? CM Girifal. Qu'est-ce que tu veux faire après? Non, qu'est-ce que tu veux faire? T'as quel métier? Moi, président de la République. Alors, pour
devenir président de la République, comment tu comptes faire? Travailler bien. Discipliner. Réussir. Réussir et faire partie des meilleurs. Donc la décision est importante, mais il faut s'y mettre maintenant. Parce que le président de la République, il fait partie des meilleurs presque dans tous les domaines. Mais toi aussi, dès maintenant, il faut te dire, je serai parmi les meilleurs de ma classe. Là, tu es bien inscrit sur ce chemin. Alors, tous nos encouragements. Oui. C'est ça. Très bien. Et ils posent des questions pour comprendre. Il y a certaines qui posent des questions, d'autres qui écoutent et prennent les feuilles. Vous êtes en quelle classe? Première S2. Première S2. Ah, scientifique. Qu'est-ce que vous attendez-vous d'une bibliothèque? Avoir les livres offerts. Oui. Aller là-bas, en récréation pour faire des études là-bas. On a une course à la bibliothèque. Vous savez que maintenant, en plus de livres physiques, il y a beaucoup de documents électroniques qui sont disponibles dans les bibliothèques. On met dans le concept de bibliothèque numérique et qu'on peut consulter à distance, à la maison, dans son jardin, partout où vous voulez. Hein? Et ça, c'est extrêmement important d'avoir accès aux documents physiques, mais aussi d'avoir accès aux documents numériques. Qu'est-ce que vous voulez faire dans le futur comme métier? Être un docteur. Ah, être docteur? Ah, très bien. Moi-même, je suis docteur. Alors, pour être docteur au Sénégal maintenant, il faut entrer dans une faculté de médecine. Et pour entrer dans une faculté de médecine, il faut être excellent sur trois disciplines. Les mathématiques, la physique et le SVT. Donc, comme tu veux être docteur, il faut travailler dur, travailler régulièrement, et essayer d'avoir sur la somme de ces trois matières au minimum 36, c'est-à-dire 12 en maths, 12 en SVT ou 12 en physique, ou bien vous cumulez. Et si vous avez 36, déjà vous êtes bien placé pour entrer dans une faculté de médecine. Mais si tu peux avoir plus, avoir 40, avoir 45, tant mieux. Hein? Donc beaucoup de travail vous attend, mais c'est un métier passionnant, je vous encourage. Moi je suis médecin, professeur de médecine. Et donc, je sais ce que ça signifie. C'est un sacerdoce, mais on s'épanouit en étant médecin aussi. Mettre en place de l'infrastructure informatique surtout, à travers des réseaux informatiques, des salles informatiques, et aussi des appuis à la recherche et à l'enseignement. Dans nos prévisions, on prévoit de mettre en place des grilles de calcul qui vont aider les chercheurs et aussi de faire ce qu'on appelle l'enseignement de l'informatique en formation continue. Une mission aussi importante du CRI, c'est de faire ce qu'on appelle le service à la communauté. C'est de faire bénéficier un petit peu aussi de la vulgarisation des TIC au niveau de la communauté à travers des partenariats de formation pour la communauté, les agents et même les étudiants, les élèves des lycées et aussi la fourniture de l'internet et aider un petit peu à mettre en place une infrastructure. Je pense que le maire de Ngobem, on a fait une visite la semaine passée chez lui. Il est bien intéressé par cela. Je pense que il était là aussi, le proviseur du lycée de Bambay-Séné. Et on a fait, comme le recteur est là, on est en train de discuter sur en tout cas ce qu'il faut mettre en place pour bien dérouler ce partenariat-là très intéressant. Soutien technique à tous les services en TIC, mais aussi un soutien à la communauté de Bambay. Et il y a un programme qui intéresse beaucoup les gens, c'est le programme Un étudiant en ordinateur. C'est une volonté de l'État de disposer chaque étudiant d'un ordinateur. Et pour cela, l'État, à travers le président et le ministre de l'Enseignement supérieur et les autorités rectorales, ont plaidé pour qu'il y ait une forte subvention de l'État sur le prix des ordinateurs, qui est un outil indispensable actuellement pour les enseignants et apprentissages. Et ça, c'est le prix qui le gère en mettant en place, en tout cas, tout un dispositif pour l'acquisition de ces ordinateurs-là. Donc, les gens qui en ont besoin peuvent passer au niveau du prix.
Yaké, lorsqu'on a parlé du service à la communauté, lui je me dis pourquoi pas Mbaké. Est-ce que c'est possible de faire jusqu'à Mbaké? Pourquoi pas? Je lui dis que dans tous les cas, il y a des projets qui sont en cours, mais si nous réalisons, nous sommes disposés donc à vous assister. Exactement. Aussi. Que ça, c'est, ça on ira jusque là-bas, Inch'Allah. Non, non, on ira. À quoi sert l'informatique? Hein? Oui, je vais vous expliquer. À quoi sert l'informatique? De mieux s'exprimer. Ah, ah oui. Alors, les filles, à quoi sert l'informatique? Hein? Recherche. Faire des recherches. Rechercher quoi? Rechercher ce qu'on ne connaît pas. Des informations, par exemple. Ils reviennent de la scolarité et le premier service accueille les étudiants pour l'instruction. Et quand ils arrivent, il y a donc un ensemble d'étapes pour arriver à l'instruction et obtenir la carte. Ils retirent au niveau de la scolarité, ils s'inscrivent en ligne d'abord. Ensuite, l'équipe de la scolarité les conduit au niveau de la rencontre pour vérifier s'ils sont payés parce qu'ils ont reçu. Ensuite, ils font la visite médicale. Pour revenir à la scolarité, prendre la photo, c'est une photo numérique qui va apparaître comme ça. Donc là où c'est gratuit. Et après la photo, le dossier est validé sur LMDP pour avoir le certificat d'inscription et la carte d'étudiant. À partir de ce moment-là, vous devenez donc étudiant et vous allez vers les UFR. Maintenant, actuellement, nous sommes en train d'expérimenter une nouvelle carte, la carte à puce, avec les fonctions qui sont là. Donc, ça permet de payer au niveau du restaurant. Ça permet aussi de payer l'hébergement, ça permet de payer aussi au niveau du service médical et ça permet aussi de payer le transport. La carte à puce, il y a une puce, il y aura votre photo, mais la carte est chargée en monnaie électronique. Si vous avez besoin de payer votre restaurant, au lieu d'aller donner de l'argent ou payer un ticket, vous chargez du crédit dans cette carte-là et c'est cette carte qui vous permet justement de faire toutes ces opérations-là. Vous n'avez pas besoin d'avoir de la monnaie sur vous, mais la carte est chargée en monnaie électronique. Cette machine-là permet justement de faire cette carte et l'imprimante pour le certificat d'inscription. Et là, nous avons les différentes étapes de l'inscription et les différentes pièces à remplir. Voilà donc. Très bien. Vous êtes dans quelle classe? Terminal. Terminal. Ah, vous n'êtes pas loin. Hein. Quel terminal? L. Quelle L? L2, L'. 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 Qu'est-ce que tu veux faire? Non, comme discipline, l'année prochaine. Tu veux être? Ah, infirmière d'État, d'accord. Alors, pour être infirmière d'État, est-ce que tu sais où est-ce qu'il faut aller? Où est-ce qu'il faut aller? Ah, voilà, c'est important. Tu poseras la question et au sortir de là, tu vas aller au stand de l'UFR Santé Communautaire. Ils vont t'expliquer comment faire pour entrer dans une bonne structure de formation et devenir infirmière d'État. Maintenant, il faut avoir le bac au Sénégal, s'inscrire dans une école qui forme les infirmières ou dans une faculté de médecine, parce que les facultés de médecine ont commencé à former des infirmières, des sages-femmes. Si, on a une IFR d'économie et de sciences juridiques qui s'occupe de ça. D'accord. Et qui forme les étudiants spécifiquement sur l'élaboration et le montage de projets. Justement. Et on a un vice-rectorat dont c'est le métier aussi. D'accord. Justement sur ces échanges-là, oui. C'est intéressant parce que nous, on souhaiterait aussi peut-être mettre en place au niveau des projets de ce qu'on fait avec la communauté d'Enzéga, oui. Pouvoir que ces jeunes-là, ces étudiants-là puissent suivre les travaux et puissent évoluer. Voilà. Oui, ça, c'est
on en a. Voilà, très bien. Vous rencontrerez le vice-recteur chargé de cet aspect-là dans la matinée ou en début d'après-midi. D'accord. C'est le professeur Patrick Aguilera. Il faut le voir pour que vous teniez une séance, une séance de travail pour lancer ce Monsieur Salif, pas représente Madame Salif dans la ville de Malakoff. Ah d'accord. Vous allez venir avec son écharpe là. Bon, très bien. Et donc, monsieur le maire. Voilà. Très bien. Mais on sera ensemble de façon la journée. Hein. Et puis justement cet après-midi, il y a des panels. Et il y a un des panels qui sera axé sur l'insertion des diplômes. D'accord. Vous êtes aussi convié. D'accord, ça sera bien. À l'amphithéâtre. Merci beaucoup. Comme ça, vous amènerez vos idées. D'accord, voilà. Merci. Concernant toutes les filières de formation en licence mais également en maîtrise. De même, les structures administratives de l'université sont présentes aussi pour expliquer la structuration de l'université et le rôle de chaque structure, surtout vers le nouveau étudiant, c'est-à-dire le bachelier qui vient d'arriver. La bibliothèque universitaire est présente également, vous savez que c'est un service important pour l'université, pour expliquer aux élèves comment on fait pour accéder à l'information documentaire, aussi bien à partir des documents physiques, pour parler simplement à partir des ouvrages, mais également sur le plan du numérique, parce que vous savez que beaucoup d'informations maintenant scientifiques sont accessibles à partir tout simplement d'une bibliothèque numérique. Et on peut les consulter sans venir à la bibliothèque, être dans sa chambre d'étudiant, être à la maison, être dans la cour de l'université ou dans un jardin. Toutes les structures sont présentes pour faire connaître l'université à la communauté, en particulier aux élèves, mais surtout donner les informations aux élèves sur ce que c'est qu'une université d'abord, ce que c'est que la vie universitaire pour leur permettre de gérer cette transition. Parce que la vie scolaire n'est pas pareille que la vie universitaire. Et nous faisons évidemment un focus particulier sur nos formations, renseigner les élèves pour accéder à l'université à l'UNDIOC, qu'est-ce qu'il faut, mais si on y accède aussi, et quelle profession on peut avoir. Même les hommes.